Bonjour! Et nous voici pour une nouvelle vidéo en Espagne. Aujourd'hui, je vous présente El Chico Rubio, qui se situe à environ 40 minutes de Alicante. Ensuite, je vous emmène avec nous à Altea. Et nous terminerons par Guadalestre. On vous emmène tout d'abord dans un gîte, une chambre d'hôte, un camping, tout ça réuni. Dans lequel on a dormi, petit coup de cœur, vous allez voir, c'était la joie et le bonheur. Un petit paradis au milieu des oliviers. D'ailleurs, ils produisent leur propre huile. Nous, on n'a pu y faire qu'une seule étape parce que notre road trip était calculé. Voilà, on n'avait qu'une seule nuit là-bas, mais si on avait pu, on aurait pris le temps de se détendre et on aurait pris plusieurs nuits. Et vous allez voir, c'est vraiment bien plus qu'une chambre d'hôte. Au niveau accessibilité, ça me semble bon, avec un fauteuil roulant. Simplement, ce sont des gravillons, mais pour moi, pas épais. Donc, à vérifier, à demander au propriétaire. Mais pour moi, c'est bon. Alors, Altea et Guadalestre, les deux, ce sont des petits paradis aussi. La route est superbe. Vous vous trouvez à la fois avec la mer, la montagne et les palmiers en montagne. C'est juste... on était vraiment surpris, agréablement surpris du paysage. Mais clairement, aucun des deux endroits n'est accessible pour les personnes à mobilité réduite. On a commencé par Altea. Il y avait automatiquement des marches pour aller dans le plus joli endroit. J'ai tenté l'effort, j'ai monté quelques marches et le résultat, c'est que je me suis retrouvée en malaise pour la destination suivante, donc Guadalestre. Et bah, tristesse, mais en même temps, quand j'ai vu que Guadalestre c'était la même chose, je m'en doutais. C'est pas grave. Donc, mes trois petits amours y sont allés. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas regretté. J'ai pu voir les images, vous allez voir, en avoir un petit aperçu aussi. Effectivement. Bon, moi j'étais au parking, pas le choix. Je devais attendre que le malaise passe et le malaise a duré tout le long de leur promenade. Donc, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour les images et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Scared of what the light would do now. Oh my God. I couldn't piece me back together. There's a band-aid and a roll of tape. Now I'm wishing it all the way. Salut, toi, enchanté. Tu veux manger? Now I'm here. My soul began to feel the change. I let love flood my heart like the sun upon a tear-stained face. I'm slowly learning to be grateful. Found some purpose in all the hurt. Now I'm rediscovering what I'm worth. Just takes one step to turn the tables, but I had to take it first. Now I'm here.
Ouais, c'est énorme hein. Je crois que c'est pas bien. C'est New York. Il est mieux lui. Faut pas trop présenter parce que c'est vrai. Moi je dors, je m'en fous complètement. Oui, je suis une bonne dernière. Aucun coup à faire. Mais au moins il s'approche et tout. J'ai envie de m'en dédain.
cafétéria. Je sens que je vais avoir le vertige. Oh mon dieu. Regarde si c'était sur ce truc là-haut, là, en pierre. Ça aurait été comment? Attends, j'ai eu très peur.